Hey yo tout le monde, c'est Nutitoff, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième vlog sur la Gamescom. Je n'ai pas vlogué hier, tout simplement parce que d'une, j'avais pas envie. Et de deux, il y a autre chose, il y a un Pokémon Go qui est arrivé à la place. Mais aujourd'hui, c'est le deuxième jour officiel de la Gamescom. Et c'est surtout un jour un peu particulier parce que Rat a chié une merde de malade dans les chiottes. Et l'odeur sent encore. Et il faut savoir que moi j'étais en train de dormir tranquille. Et je prévois mon réveil pour 9h. Voilà, normal. 8h50, qu'est-ce qui se passe? Je rate en tant que princesse. Il se pose sur les chiottes. Là, on va ouvrir le truc. Oh putain, c'est plus. Il se pose sur les chiottes. Il fait un gros caca à sa mère. Moi je lui fais rate, rate. Il m'entend pas parce que le mec fait caca avec des écouteurs. Normal pour pas s'entendre lui-même faire caca. Je vais dans les trucs. Il me fait, oh, ça pue peut-être un petit peu, hein. J'ai essayé de mettre du déo, le mec met du déo dans le chiot, je vois, ça va. J'y vais, je ferme la porte, je fais, ah, j'ai failli dégueuler, voilà, j'ai failli vomir. J'ai dû prendre ma douche en apnée, mais vraiment, j'avais l'impression d'être sous l'eau, parce que j'avais de l'eau comme ça. Et c'était horrible. Bon, j'ai survécu quand même. Et là, on va aller au petit-déj avec Siphonouille et Polaroids, Shoe the Game. Qui normalement vont arriver en même temps que nous. Mais il est bien ce téléphone pour. Je vloguais qu'avec ça en fait. Oui, parce que là je suis avec mon téléphone, les amis. Il y a quelqu'un qui a touché notre porte. Vous avez entendu? Quelqu'un a touché notre porte. Bon, bref, on y va. Bon, bah on est au. Ah, on est au petit déj, c'est drôle, monsieur Fano. Bonjour, Paul. Bonjour. Bien récupéré d'hier? Non. Non. J'ai mal au ventre encore. T'as mal au ventre? Ah, il avait mal au ventre hier, on est rentré à YouTube Space, c'était. Il disait, ouais, je vais faire caca. Un peu comme Raph. Coucou Fano. Ouais, je m'appelle Fano, c'est comme ça. Bon, il y a Rat ici qui moi, prend des jouets. Mais toi, je sais que tu vas bien parce que tu as pas cuit aussi. J'étais pas au YouTube Space hier, mais c'est moi, je ça. me suis pété le ventre maintenant, donc j'ai mal au ventre aussi. Ah, c'est ça. Et moi, donc, j'ai pris des petits œufs. Durs. C'est le mot. Des boiled eggs. Comme les crottes de rat. Comme les crottes de rat. Non, je pense pas que c'était dur, les crottes de rat. Pour te dire, oh, si ça pue à ce point, il y avait. Bref, j'ai pris des petits trucs. C'est marrant parce que regardez, c'est dans des petits cornets de glace. C'est sympathique. Là, je vais me faire des petites tartines de beurre. J'ai ça et j'ai ça. Voilà. Donc. Sinon, dis-nous une petite. Donc, ça, c'est cool. Oui. On en parle du fait qu'en fait, on a tous fini et que toi, tu n'as pas commencé. Ben écoute, et qu'on va être à la bourre, excuse-moi, moi, on m'a dit ouais, 9h30, 9h45. Non, 9h15, 9h30. Ouais, mais ça veut dire qu'on finit vers 9h30, 9h45. Bref, on se retrouve trop vite. Trop vite. On se retrouve trop vite. Bon, ok les amis, ma caméra est cassée visiblement. Et il y a vraiment pas mal de monde devant nous. Regardez. Je vais vous filmer ça plus en détail tout à l'heure. Mais voilà, ma caméra ne marche plus sur batterie. Elle marche uniquement sur secteur. C'est assez bizarre. Et donc, du coup, on va essayer de faire en sorte de continuer à vlogger avec cette caméra là. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça ira. Et puis, ben écoutez, je vais vous montrer un petit peu la queue. À quoi elle ressemble. Pardon. Voilà, on a passé toute la queue qui est juste derrière nous. Regardez, on les voit encore attendre. Donc du coup, c'est parti. Là, on entre et eh bien dans la Gamescom. Hop. En plus, regardez, il y a mon assistant qui m'ouvre la porte. C'est fou ça. Hop. Et puis voilà, ben on entre tranquillement. Je sais même pas si vous m'entendez. Je sais pas où est le micro. Il va falloir que j'écoute ça. Je regarde si en tenant comme ça, vous m'entendez bien. Voilà. Donc du coup, let's go to the Gamescom. Moi je vais devoir directement faire bien quelques petits montages et des choses dans le genre. Donc du coup ben on s'occupera de cette manière pendant la première heure où je serai ici. Ok, bon changement de programme finalement. Camille d'Ubisoft vient de m'envoyer un message pour me dire que apparemment je suis attendu sur Watch Dogs. Parce qu'apparemment ma session a été décalée, donc faut que j'y aille maintenant parce que ça va commencer incessamment sous peu. Donc on se dépêche, je ferai mon montage un petit peu plus tard. Bon, on vient de sortir de Watch Dogs, au final il y avait Nty avec moi. Ouais, bah ouais, mais je savais pas en fait, j'ai couru, moi vous l'avez vu sur mon blog, j'ai un petit peu speedé. Il y a Frigiel aussi. Il y a Frigiel aussi par là. Qui ne nous voit pas, bonjour. En costume de Pikachu, enfin costume, il a une casquette quoi. Voilà. Et voilà, et là on vend salle presse. On vend salle presse, uploader toi, les tu vas vidéos. Faire quoi? Uploader. Moi je vais faire du montage. Hein. Voilà.
je me suis posé en salle presse en attendant Rat et Paul. Sifano étant reparti déjà sur le stand Ubisoft pour tester du Star Trek, il me semble, du Watch Dogs et du For Honor, il me semble, je crois. Et moi, je suis en train de faire le petit rendu de la vidéo que vous avez dû voir hier, normalement, si ce vlog est monté au bon moment. Mais voilà, donc du coup, je suis posé tranquille. Et je me dis que vraiment, dites-moi si la qualité de la. Enfin, vous trouvez que la qualité de du Samsung là est meilleure que la qualité de notre caméra, parce que je me dis que finalement, je vais peut-être l'adopter si finalement c'est suffisant. Enfin, on verra. On verra, de toute façon, pour le moment, ma caméra là, regardez, est décédée. On voit qu'elle est décédée parce que quand je recharge, en fait, regardez, elle clignote. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un souci au niveau de la recharge. J'ai essayé d'enlever la batterie, de la remettre, mais rien n'y fait. Je peux uniquement l'utiliser si elle est branchée sur secteur. Donc, un petit peu problématique. Bref, du coup, moi, j'attends la fin du rendu. Je vais lancer l'upload. Ok, on est de retour dans les couloirs de la Gamescom. Et là, on va essayer de se rendre sur le lounge YouTube. Parce que je suis pas encore allé dessus. Apparemment, il y a des trucs assez sympathiques. Il y a probablement de la bouffe. Et on a faim. Donc, c'est soit ça, soit je me prendrai un sandwich quelque part. On verra. En tout cas, on va essayer de rentrer. Et puis, voilà. Après, j'ai un petit rendez-vous professionnel. Et puis, après, on se retrouve sur Ubisoft pour du Star Trek. Et ça y est, on est dans le lounge YouTube Gaming. Donc, il est assez grand. Regardez, derrière moi, il y a un bar avec qui sert des trucs de malade. Il y a de la bouffe chaude, il y a de la bouffe froide, il y a des sandwichs. Moi, j'ai pris un petit bagel. Il y a bien entendu juste ici un frigo pour les trucs froids, ouais, pour les trucs frais. Et là-bas, il y a un espace en fait où ils peuvent streamer directement sur leur chaîne YouTube. Ça, c'est grave cool. En gros, ils réservent un créneau et ça leur dit. Et ils réservent le jeu également. Ils disent bah voilà, moi de 15 à 16, je veux streamer sur du Minecraft. Et ils ont le PC qui est prêt avec Minecraft installé et c'est plutôt cool. Là-bas, tu as une petite salle de détente, un petit côté détente. Et puis là, on est posé ici et là, il y a un hamac. Et voilà. Alright, so let's go ahead and see what our mission is. I'm gonna answer the hail here. Should be you can change your actual display that you see on the bottom. There's two buttons, one says local and one says warp. Go ahead and touch warp, there you go. All the way down, grab that sucker and push it forward. Keep looking even further left. It's off the panel actually. There you go. Good job, man. Let's go to the third one. You guys are killing it. Good flying, bro. Hey, generic, when you're ready to energize, please energize, sir. Energize. It should be on that same panel that you were looking at the top. Okay. Ok, donc là, j'ai fait plein de trucs. Je suis allé sur Ubisoft, j'ai testé la VR, mais c'était oufissime. J'avais jamais testé la VR de ma vie. Et ben là, je peux vous dire, j'ai pris une grosse claque. J'arrive même pas à comprendre à quel point les mains peuvent être si bien traquées. C'est génial, tout simplement. Et puis, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que là on sort de Skylanders. Je vous ai tourné une petite vidéo qui je pense sortira sur la chaîne. Voilà, je sais pas trop comment ça rendra parce que on a eu des petits problèmes pour lancer le record au début et on nous a arrêté avant la fin. Pourtant j'étais bien parti, j'étais tranquille, moi je comprenais, il y avait des trucs avec le rythme et tout. Pour une fois que je comprends un jeu vidéo, c'est plutôt pas mal. Et là, dans 2 minutes, il y a l'annonce de Nintendo sur le stand de Nintendo. On n'y sera jamais à temps. Mais vu que c'est du gameplay normalement qu'ils vont montrer, il y aura je pense au moins une 15-20aine de minutes de gameplay. Donc on aura peut-être le temps de choper 2-3 images et puis de vivre en vrai ce qui se passe. J'espère en tout cas que c'est sur le stand Nintendo, parce que sinon on est dans la merde. Ok, ils sont en train de lancer des espèces de pompons étoiles actuellement. Et ok, il fallait que les gens les attrapent, bon là ils les ont attrapés. Et là on attend encore les annonces Pokémon. Il faut moi,
がディレクターということでいろいろ聞いてみたいと思います。怖いですね。大丈夫です。行きない。Ok, donc ça y est, on est sorti de la scène Nintendo. On a pu se caler à un endroit assez fou. En même temps, Rat a utilisé son culot légendaire pour se frayer un chemin dans la foule. Et c'est vrai qu'on était tout en haut des marches et c'était ultra ouf. On avait une place privilégiée. Et puis on passait, tu sais, on avait notre passe-presse. Donc on disait I'm for the press, you know, it's about the press. Mais moi aussi, je faisais ça, tu vois. Et du coup, on a eu une annonce là d'un nouveau Pokémon qui est super cool. Bah, vous avez dû voir le flash info sur la chaîne. Il s'appelle Boumata en français. Et il s'appelle comment? Tortunator voilà, en allemand. Il s'appelle Tortunator. Je préfère Tortunator que Boumata. J'ai vu les réactions sur Twitter. Boumata, c'est Tortunator. Ouais. Et puis bon, bah écoutez, nous là ce qu'on va faire, c'est que je vais très vite me poser en salle presse parce que comme il y a une bonne connexion, j'en profite pour faire le montage assez vite parce que j'ai tourné un petit flash info d'une minute à peu près sur Boumata. Et puis bah écoutez, nous après on va aller dîner, voilà. Bon voilà, on a fini, enfin j'ai fini le montage parce que bon, toi t'as pas monté. Moi j'ai soutenu psychologiquement. Voilà, j'ai fini le montage de la vidéo, elle est sortie, elle est postée, elle marche, tout va bien. C'était un peu speed, mais ça a été, je pense que la vidéo qualitativement, on va dire visuellement et sonorifiquement, elle est pas mal. Après au niveau contenu, bon bah voilà, c'est juste du récap des infos. Là on bouge à l'hôtel, il est 19h30, on a rendez-vous à 20h, donc Rat va prendre une petite douche, moi je suis dégueulasse, je vais pas en prendre une. Et puis voilà, on va retrouver Siphano et Paul normalement pour un petit dîner tranquille. Ok, pour commencer, petit champagne. Non, c'est quoi, un prosecco, ça? Prosecco. Donc, on va goûter ça. Voilà, ouais, Sif qui est déjà en train de boire. Ton avis? Très bon. C'est bon? Ouais. Ça va? Génial. J'ai goûté, moi. Ouais, c'est vraiment génial. Et lui là-bas, là? Ouais, c'est parfait. D'ailleurs, on l'a pas dit en vidéo, mais merci MT de nous avoir trouvé le resto. Voilà. Comme ça. Bon, là, on est sur l'entrée. On a pris des petits antipastilles avec de la mozza, il y a plein de choses. Il y a un peu de saumon, j'ai l'impression. Il y a pas mal de trucs, ça a l'air vraiment très bon. On va goûter ça. Ok, donc petite pâte avec une espèce de viande, mais alors je sais pas trop ce que c'est, on va découvrir ça. Ça a l'air vraiment joli. Qu'est-ce que tu dis? De l'osso gluglo. De l'osso gluglo? Ah, je sais pas. De l'insolourdo. Ouais. Toi, t'as quoi? T'as du. Un steak. Un bien cuit. Un steak au-dessus. Un steak au-dessus. Cotello. Et toi, Sif, tu as? Pato, c'est. Pâte, champignon. Ouais. Donc petite panna cotta en dessert que j'ai déjà mangé à moitié, hein, bien entendu. Ok, bon bah c'est bon, on est sorti du resto. Là, on rentre à l'hôtel. Attention, il va y avoir un poteau, Paul. Et donc voilà, on rentre à l'hôtel, on fait un petit bout à pied. Et puis c'était vraiment pas mauvais. Et puis bah écoutez, très bien. Petite offre 2 km oui. Pour Siphano. Alors ce qui est génial, bonjour, c'est que moi je ne fais pas de vidéo sur Pokémon Go pour le moment. Je vais sûrement en faire une, mais tout ça pour dire que ce que vous voyez là, c'est exclu NT. C'est exclu NT. C'est un offre 2 km. C'est toujours un petit Pikachu, un Salamèche ou quoi. Et... Ok, ta mère. C'était nul. Ah, ok, attends. Combien j'ai de bonbons? 43. Ah, bientôt le... Papilu. Ouais, bientôt. Soon. Cool. Allez, un petit offre 10 km de rat, vas-y. Attention, suspense, renflex. Allez. Low class. Oh, Ptera, je l'avais pas. Bien. Ça va. PC combien? C'est ça le plus important. On va regarder. Ouais, PC 712, moi, je pense. Ah, PC 1000. PC 712, il va être nul. 1200, bouh! Combien de bonbons? Bah 16. 16, c'est bien. 16. C'est bien. Et ça y est, on est rentré du restaurant. C'était plutôt sympathique. On a fait une petite marche nocturne et nous voilà rentrés. Il est minuit actuellement et ça va être l'heure de faire mon montage du vlog, et eh bien de ce vlog là que vous voyez actuellement. Donc du coup, bah, j'espère que vous l'aurez kiffé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. En attendant, n'oubliez pas, restez comme vous êtes car vous êtes super. Bye tout le monde.